Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Kingdom Reborn. Toutes mes excuses, j'ai un enregistrement, le précédent enregistrement a crash, mais on n'a pas perdu grand-chose. On est fin d'été. Le champ, ça y est, ils ont... Après, il a planté les choux. Ouais, ça fait plaisir. On n'est même pas loin de la récolte, début automne. Donc je suppose qu'ils vont les récolter bientôt. Le champ de blé ici a un peu poussé également. Pourquoi les choux deviennent petits d'un coup? Bah, les choux ils deviennent tout petits. Pourquoi ils repassent sur les choux? J'ai l'impression qu'ils sont buggés les choux. Ah, ça me ferait mal. J'avoue que j'ai passé tellement d'espoir dans les choux. Je serais un peu dégoûté si ça. Ils sont en train de tout bouffer ou. Oui. Ah non, d'accord, c'est des petits choux qu'il faut récolter après. Ah ouais, inventaire, 5 choux là. Allez mec, je crois en vous, j'ai de l'espoir. Tu peux pas les récupérer genre après les autres plutôt que faire des allers-retours et perdre du temps? Oh regardez là, le chou, regardez. Un légume vert. Très bon pour la santé. Exactement, voilà, on a de la nourriture les gars, vous avez un peu de bouffe. C'est un miracle. Bon. Ça on n'a pas besoin. Rapine. On va essayer de faire de la rapine. Élevage ovin. On va acheter également. Et j'ai plus de sous. Élevage ovin. Donc élevage ovin. Et pas au Ricard. Ah. Et on va. Et on va aller rapiner. On va aller rapiner. Les autres vikings. Vol 82. Alors, voler 1 égale à la population du joueur cible x 10. Il y en a. Ils sont pas que 8. Ils sont pas que 8 et demi, hein. Ouais, je me fais douiller là. Vol 160. Bon bah on va voler Rouen. Quelle déception. En est-on vraiment arrivé là? Nous aurions pu échanger de manière plus raffinée et civilisée. Il me semble que nous devrons ajuster notre compréhension. Oh, des commerçants sont arrivés. Va, prends mon cuir, prends tout mon cuir. Là, cuir, cuir, moins 80. Ça me fera de l'argent. Et grâce à l'argent, je pourrais débloquer ça. Ok, bureau de l'immigration. On va faire un accueil, améliorer l'accueil soigné. On va réouvrir. C'est quoi ça? Ouais non mais ils sont pas en bonheur, donc il n'y a pas de bonheur ici. Limit rich. Ah bon on va faire à 480. On a un peu de place de stockage, autant garder des herbes médicinales, on va sur le coude. On a du chou, on a vraiment pas mal de chou. Production annuelle, on va peut-être passer les 400 production annuelle. Putain, ils ont bouffé déjà du chou, la vache. Ouais, on a du blé. Et au niveau de bonheur des vivres, ça remonte. Ça remonte vraiment bien. Ça fait du bien. Parce que. C'est compliqué le début là. Et c'est pas encore fini. Hein. Je sais pas honnêtement si on va réussir à produire plus. Parce que là, on voit le graphe de production-consommation. Parce que, bah, ils ont pas pu produire plus que ce qu'ils ont consommé. Non, ils ont pas plus consommé plus que ce qu'ils ont produit. Ouais, dans l'autre sens, c'est bien. Et ouais. Donc on va voir si ça suit ou pas. Ouais, bon, ça niveau 2. On a les derniers choux qui ont été récoltés, là, en fin de l'automne. C'est très bien. On a un petit peu de stock de choux. On a de la venaison, du poisson. C'est que dalle. Hein.
Attention, là, il y a tout qui est bouffé, hein. Alors là, on va passer en abattage à pleine population. Là, il n'y a plus qu'à construire. Il y a un truc qui vole, tiens, c'est original. Ça nous fera en plus de la laine qu'on pourra utiliser pour faire des vêtements, comme le cuir. Ou vendre. Ou vendre, hein, tout simplement. Les gens pensent que vous êtes juste. Eh ben dis donc, vous avez vite changé d'avis, hein. On a ce qu'il faut en élevage ovin. La rapine, on a vu que ça c'était pas très rentable. Une autre porcherie. De toute façon, il me faut à fond de la bouffe. Ça, j'ai pas le choix, il va falloir de la bouffe à gogo. On va passer des upgrades avec ça. Ok. Allez, faudrait construire là, il y a tous les matériaux qui sont arrivés. Vous avez bien mangé là. Pourquoi t'es dans les champs? Rouen vous a volé 381? Ah bah lui ça marche beaucoup mieux que moi. Purée, 381 le saligo quoi. Ma rapine, elle a pas été rentable. Hein. Purée. Il est malheureux, lui. Emploi. Oui, bah. Déjà, t'as à manger, quoi. Donc, oh, pas chiant. Bon. Allez, on construit, là, les gars. C'est au boulot, là. Voilà, faire des maisons. Putain, mais c'est fou, ils veulent pas construire. Genre, j'ai pas de. J'ai personne qui veut travailler ou. Comment que ça se passe? Voilà, enfin. Parce que j'en ai des ouvriers, j'en ai combien? Ah, j'en ai que 3, 4 bâtisseurs. Ah, ouais. Les réserves de choux, ça me nuise. Déjà. Bon, ça permet de. En vrai, ça permet aux autres nourritures de produire un peu de stock. Donc, je vais pas dire. Je vais pas pleurer. Quoi. Hop, ici je vais faire un petit chemin à en oublier. La pleine population, la porcherie là, il n'y a pas beaucoup de cochons. Hein. Animaux 0. Efficacité 185%. Ah, ça c'est beau à voir. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait un récap de l'efficacité. 110% rep de viabilité x2, je dois avoir un bonus de production de carrière quelque part. Ah bah peut-être ici. 20% à l'extraction pourtant. Bizarre. Ici j'ai 240. Fortune du mineur. Ah oui, préservation des ressources. Ok. Ok. Oui, t'es malheureux, oui, bah je sais, mec, si tu veux, que veux-tu que je fasse? Divertissement.
Ils vont se barrer pour divertissement. Ce sera la première fois que j'aurai quelqu'un qui se barre pour divertissement. C'est pas que je veux pas vous faire une taverne, mais... Attends, plutôt de l'acheter, on va voir si on est là. Jabonnière, comptoir commercial. Je vais être obligé de le faire, le comptoir commercial. Question, c'est où? Pardon. J'ai pas tant de place pour ça. J'ai pas tant de place pour le faire, le comptoir commercial. Je vais le faire là. On va le faire ici, ouais. Bois, de la pierre, j'ai tout ce qu'il faut. Regardez-moi les maisons, là, elles mettent 20 ans à se construire. Même les champs, là. Tout ça, c'est livré. Ça, c'est... rien à faire. Technique forestière, de toute façon, ça sert à rien que j'avance sur l'âge. Les heures de nourriture sont faibles. Ouais, ouais, c'est ça, hein. J'ai même pas encore assez de production de bouffe, quoi, c'est terrible. Bon, tu me diras. Pourquoi ça se remplit pas, ça? Animaux 0 sur 15, le cochon il est si dur que ça au début, enfin production par saison, aucun quoi quand même. Réserve de nourriture faible, bon déjà j'ai un deuxième champ pour faire des choux. Combien 960, ouais ça devrait être bon. Lui il a compris qu'il fallait qu'il fasse son aire de stockage là. Le blé sauvage, je sais pas s'il y a une différence vraiment. Élevage ovin, porcherie. Porcherie, il y a 20 ans. Il ne faut pas fonctionner des masses. Cure de la viande. J'aimerais bien, mais. Pas l'impression que ça fasse grand chose. Hein. De toute façon, j'ai besoin de bouffe. Donc, dans tous les cas, voilà. Mais... Du chasseur, oui. On accepte les immigrants avec grand plaisir, avec de viabilité. Pour la mine de fer. Et on va rajouter encore un autre élevage au vin. Sans abri, bah oui, mais j'arrête pas d'essayer de les faire à la maison, et vous voulez pas les mecs, regardez, là, la maison là. Non. Essayer de booster la production, quoi, je sais pas. Ah, par contre, le comptoir commercial, ils l'ont fait direct, hein. Ah, les petits cons, ouais. Ils préfèrent faire un comptoir commercial que d'avoir un toit sous lequel dormir. Ça, du pognon, hein. Hein, le pognon, ils en veulent, hein. Ça y est. J'ai ma petite réserve de cartes aussi, ici. C'est vrai qu'on peut vite déborder au niveau des cartes. Ça peut être gênant, quoi. Mon comptoir commercial qui me servira à faire de l'argent, en effet. Là, j'ai pas d'animaux. Je sais pas pourquoi j'ai pas d'animaux, quoi. Attends, j'ai bien mis en pleine population l'abattage, mais... Ça ne veut pas, chargement lourd, négocier, alors, cuir, moins, même pas 60, putain, je peux pas faire... Ouais, j'améliore chargement lourd, plus 120 marchandises par échange, ouais.
porcherie SV. C'est un cochon. C'est un sanglier. Là on se dit yes super, un premier cochon là-dedans, c'est un sanglier. Parce que je vais pas acheter les animaux à chaque fois quand même, ils vont se reproduire au bout d'un moment quoi. À moins qu'il en faille un de base. Ce qui serait logique. Ce qui serait très logique. Pas de soucis. Je vais en acheter un et je vais voir si... Attends, maintenant que j'y pense, je l'ai jamais vu ce... Non, si, non, peut-être. Là, on va voir sur la porcherie. Est-ce qu'ils peuvent commencer sans cochon? On a 3 de base. Tu me diras, il en faudrait peut-être 2. Ok, ok, là pareil, en priorité. Là par contre, ce qui est bien, c'est au niveau des herbes médicinales, on a totalement comblé notre déficit. Au niveau de la bouffe, on a toujours un moment où on n'est pas bon. Voilà, avec la nouvelle ferme, ça devrait être mieux. Wesh, non mais ils ont même pas tout planté les mecs, ils abusent quoi. Ok, on va améliorer l'isolation, parce que forcément là on va avoir une demande en charbon beaucoup plus importante. Bon là ils étaient 3 au début, on va voir si ça augmente. Là je crois que ça augmente, là on va acheter un deuxième port. La réserve de nourriture est faible, ça y est, ça recommence. Milieu été et on commence en début d'automne à faire les récoltes. Là il y en a 3, hein. Faut vraiment pas que je m'oublie. Voyons. Archer, c'est pas intéressant. Au niveau de l'arbre des technos. J'ai rien pour de la... Ça peut être intéressant ça. Diminue la consommation de bois sur mes fermes à champignons, ça peut être intéressant. Et là j'ai l'impression que je suis obligé d'acheter du cochon quoi à chaque fois. Se reproduit normalement les cochons quand même. Faut pas les connaître. À moins que... Quittez votre ville, Baudouin, merde. À moins qu'ils aient besoin de bouffe également. Et comme on n'a pas de bouffe... Ouais non mais faut pas déconner, regardez là, ils ont de l'herbe dans le... Non il n'y a pas beaucoup d'herbe dans la savane dis donc. Hein. Je pensais qu'elle serait plus... Ouais. Je pensais qu'il y en aurait plus que ça. Bon, on a de jolis champs. On commence à avoir un petit peu de champs, ça c'est cool. On a du bois, on a du charbon, les outils, oh putain, et les outils ça va être galère. Parce que minerai de fer là. Ça produit pas assez ça, j'ai l'impression. Attends, j'ai du monde qui travaille. Hein. Pourquoi ils sont malheureux? Richesse, divertissement, emploi. Alors que j'augmente la main d'œuvre pour la mine de fer, sinon je vais plus avoir d'outils. Et là ça va bientôt être le cas en plus. Et si j'ai plus d'outils, ça va être la merde. Donc je vais passer sur des outils en pierre. Parce que de la pierre j'en ai. Voilà, là on va pouvoir commercer. Ah j'aurais dû garder de l'argent.
60. J'ai des trucs plus chers ou pas? Ça dépasse un peu là. Les commerçants. Absolument que je le garde pour améliorer le chargement. Au niveau de la nourriture, on a toujours faim été. On n'avait que deux cochons, hein. Pas un de plus. Là, il y en a un de plus. Donc, à trois cochons déjà. Ah vache, ah, ça va plus vite ici? Comment ça se fait? Et ça demande peu de main-d'œuvre, hein. Ça demande un seul de main-d'œuvre, ça. Ça, c'est bien. J'aime beaucoup ça. Eh ouais, regardez là, il manque d'outils. Un malade et manque d'outils. Total. Et pas de bouffe. Oh bah. Oh, c'est de pire en pire. Malade, manque d'outils, manque de bouffe. Non mais on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. C'est le début, c'est normal. Ok, on va avoir de la main d'œuvre en plus. Après je sais pas si j'ai un surplus d'employés. J'ai un petit surplus d'employés là, ça c'est pas bon non plus. Bon, là au moins ça récolte. Là ça récoltera là-bas. Ah. Je vais faire d'autres maisons. Au cas où il y a besoin de travailleurs sur les champs ici. Au niveau des champs. Ouais, là j'ai 4 travailleurs, ça demande 4 travailleurs là ce champ. Oh, c'est beaucoup. Et je veux qu'ils puissent s'installer. Et je vais demander aussi, tiens, je vais faire un chemin. Oh, c'est con ça. Voilà, comme ça on fera des chemins, ça accélérera le déplacement. Donc, vu qu'ils font... Là, vu qu'ils utilisent la diagonale, je suis pas sûr. Bon, on verra. Ouais, on verra. Ok, j'ai 5 immigrants de plus. Bon là, ça va faire augmenter la consommation de bouffe, ça. C'est la mauvaise nouvelle, mais... La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau du travail, je devrais avoir ce qu'il faut. Est-ce que je ferai pas une deuxième hutte du chasseur? Parce que là, il y a ma cabane du chasseur. Hein. J'ai 30 animaux sauvages ici. Ouais, ouais, c'est vraiment pas mal. Ah non, c'est le bois, putain. Ouais, attends, là, il y en a 20, là? La vache. Ah ouais, non, c'est juste... Là, je suis à un croisement où il y a tous les animaux sauvages, quoi. Oh non, non, on va faire d'autres. Je n'ai rien dit. On a les maisons, ok, ça se construit tranquillement, mais sûrement. Le chou, je vais même pouvoir augmenter le stockage, hein, je pense. Attends, c'est quoi ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, 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 non. On va partir sur du 1920. 8 fois 240 unités de... Enfin, ça, là, c'est 240, ça, c'est 240, etc. Limit reached. Très bien. Pourquoi c'est rouge, là? Améliorer le chargement. Pourquoi c'est rouge, là? Ah ok, la transaction est en cours. Oh, ça... Je sais pas. Les outils. On en produit un peu plus déjà, c'est bien. Ça va 2 à l'heure et demie. Ah ouais, non, d'accord, il y a eu le verre qui était en moins, c'est pour ça.
Employé 28. Donc on a deux qui sont pas employés. Dès que j'aurai un truc d'intéressant, je le ferai pour de la bouffe, hein, comme d'hab. 180, ok. Moins 180 au niveau du cuir. Ça nous prend de l'espace de stockage, etc. C'est pas cool. Améliorer la main-d'œuvre. Ça. Ah oui, ça m'a converti en carte joker. On va rafraîchir. Comptoir commercial, taverne. Il voulait pas une taverne, là? Oh, c'est fait chier la taverne. Mais bon. La question c'est je la mets où la taverne et j'ai pas de place. J'ai vraiment pas de place quoi. Là, pour le coup c'est pas que je veux pas mais... On sait quoi la taverne, on va la mettre là. Ouais, oui mais... Même là, ouais. Ouais, je peux la mettre là, au pire, la taverne. Hein. Ils seront contents, on va dire, à ce niveau-là. Allez. Pierre, c'est bon. Bois, on est bon. On a... Attendez, ils sont passés où, mes choux? J'ai pas suivi. Ils sont passés où, mes choux? J'ai... Quoi? Mais j'avais... Mais comment ça, j'ai déjà plus de choux, on est en début de l'hiver là? On est censé avoir fini les récoltes à peine? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe aïe aïe. Madre de Dio. Aïe aïe aïe. On va débloquer les archers. Pourquoi j'ai pas de choux? Pourquoi j'ai pas de bouffe? Mais c'est la merde, hein. L'hiver va être sacrément difficile. J'ai exprès réaugmenté le nombre de péons là, qui venaient dans la ville là. Et on n'a pas fait de récolte. Ils ont pas pu tout bouffer, c'est pas possible. Ils ont quand même pas déjà tout bouffé. Bah, on va dire que si, hein. Je crois que je vais devoir faire un deuxième atelier d'outils. Vous avez une taverne là, faites pas chier. Qualité du service 92 en plus. Là, je leur fais une taverne, ils sont pas contents. Ils vous êtes en face de la taverne, allez-y. C'est pas les gars quoi, faites un. Bon, de vieillesse, vieillesse, vieillesse. Bon, ça va. On va dire que ça fera des bouches de moins à nourrir quoi. Faire des porcheries, hein. Deux porcheries supplémentaires là. J'avoue, je comprends pas trop pourquoi par contre. J'ai pas eu ma récolte de chou là. On a fait chou blanc. Ah! Marre! Allez, augmenter la production. Oui, on augmente la production. De cochons ou de poissons. Parce qu'on peut pas augmenter la production des champs. C'est pas possible. J'ai plutôt augmenté la production de poissons, elle est plus régulière. Euh.
outil en pierre, oui, nécessite 16 pierres. Ouais. On est sur l'extract rapide. Ok, ça me va. Je vais essayer de stabiliser là et d'augmenter à fond les niveaux de mes mines, de mes trucs comme ça. Là on est bien ouvrier. Oh la vache. Des bâtiments deviennent ouvriers. Les ouvriers transportent des ressources et récoltent du bois, de la pierre, etc. Donc, bon, j'ai un seul mort par inanition, 4 par vieillesse. C'est normal. C'est pas, très... pas mal de naissances et pas mal d'immigration. Ça, c'est cool. Bon, il meurt de faim. C'était à prévoir. C'était à prévoir. J'ai pas de choux. Je sais pas pourquoi j'ai pas de choux. Ma production de pierre, elle va... Ma consommation de pierre va être beaucoup plus importante. Je vais augmenter ma prod. Coopérative de pêche. Alors, il y a une carte coopérative de pêche. Pour chaque 1 bonheur supérieur à 60%, on donne 1% de productivité. La cabane de pêche. Pas augmenter des masses, mais c'est toujours ça de prix. Là, ça augmente de 12% par exemple. Encore, oh, ils ont augmenté hein, pas mal. Ils ont augmenté. Oui, je sais. Et c'est pas pour rien que j'ai fait un deuxième atelier d'outils. Hein. Ça devrait m'en sortir un peu plus. La réserve de nourriture est faible, sans deck. Ah, ils sont tous en train de mourir de faim. C'est début printemps, ça? Ouais, putain, bah, printemps, il est bien froid hein, ici. Hein. En savane, le printemps, il est froid. Hein. Taverne, atelier d'outils, carrière, rien d'intéressant. Rien d'intéressant non plus. Ok, j'ai un porcherie qui se fait trop loin du stockage. Ah, merde. Ah, c'est ballot, ça. Un petit air de stockage ici. En urgence. Non, ça va pas marcher là. On a 11, on a 10, 5, 13. Oh! Ok, cet abattage là est bientôt prêt, ça c'est cool. Là je veux pas savoir, j'ai besoin de bouffe les mecs. Hein. Je sais pas ce que vous avez foutu des choux. Mais j'ai besoin de bouffe là. Vous avez besoin de bouffe, pardon. Oui. Acceptez. Bah j'ai pas d'habitation, désolé. Hein. Alors ça, je vais plein d'espoir, se sont transformés en tristesse. Bah oui, je suis désolé. Et là, pareil. On est 109 déjà, on a une naissance. On vient d'avoir une naissance, on était 108. Et là on vient d'avoir une naissance tout juste. Et on va, ils travaillent où. Bah ils travaillent pas tout ça, putain. H. Un taux de chômage là-dedans. Mort de vieillesse. Ah, impeccable. Mort de faim. Merde. Ah, je sais pas pourquoi j'ai vu vieillesse. J'étais content. Ah non. Bon, dans tous les cas, j'ai beaucoup trop d'ouvriers. J'ai besoin de 7 ouvriers. J'en ai 27. Donc, il faut que je crée du travail. Il faut que je crée de l'emploi. Attends. C'est quoi là dans... Il y a un film de Louis de Funès. Comment ça s'appelle? L'aile ou la cuisse? Pour ceux qui ont la ref. Il veut devenir maire de sa ville. Il dit... Comment ça s'appelle? Mon programme est basé sur 3 points. Premier point, le plein emploi. Deuxième point, le plein emploi. Troisième point, le plein emploi. Ah, si vous avez pas vu la loue à la cuisse de. Franchement, de je sais pas qui, mais allez le voir, il est très drôle aussi. Oui, ça vieillit un peu, mais. Mais pas tant que ça. Serie de bière, non. Atelier de meubles, non. Potier, non plus. Ah, quoique. Potier terminera par là, là. Besoin d'être proche de l'eau, terminera ici. Potier, on verra. Ça, c'est pas l'urgence. Pour l'instant, c'est la nourriture l'urgence.
Mort de faim, mort de faim, mort de faim, en famine. Oh. La vache. Ils étaient 108. J'ai perdu 9 péons. 10. 11. 12. Putain. C'est... Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Ah, ça a dû abattre ici. Là, bientôt. Là, bientôt. Je pense que vous êtes juste... Ouais, putain. Putain, le nombre de péons que j'ai perdu. Bon, on va rouvrir, hein, les mecs, hein. Ah, voilà. Oh, mais c'est l'hécatombe! Bon, je rigole, mais c'est l'hécatombe là, j'en ai bientôt perdu 20 là. Terrible. Terrible. Bon. Alors là, on va améliorer la main-d'œuvre pour l'extraction de pierre, parce qu'on voit qu'on en consomme plus. Non, 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 non. Ça, je m'en fous. Ça finira là-dedans. C'est une carte à mettre là-dedans. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Priorité à la production. Allez, on est quoi? Début été. Oh la vache. On n'a pas fini d'attendre. Ça fait de l'abattage là. Là, ça a dû faire de l'abattage. Ok, ok. Là, ça y va, mais doucement. Hein. Doucement le matin, pas trop vite le soir. Hein. On a ce qu'il faut en outil en pierre. Je vais passer en outil en fer rudimentaire. On a 20 péons qui sont partis depuis tout à l'heure quand je faisais le malin là. Quand j'ai refusé des immigrants, quelle idée. Ça c'est le karma ça. Ou pas. Ou pas. C'est vrai que... Là pour s'occuper des champs, j'ai tout de suite plus d'ouvriers. Putain, mort de faim, de faim, de faim, de faim, de faim. Waouh. Puis ils vont pas faire de vieux os en plus, hein, s'ils meurent de faim. On est toujours dans l'âge des ténèbres, hein. C'est peut-être aussi pour ça, tu me diras. Dès que j'en sors. Ouais, mais il me faut des poteries. Mais l'usine, la réserve de nourriture est faible, oui. Je sais, il voit toute cette viande là qui est presque qui est presque prête, j'ai envie de dire. Ils peuvent pas y toucher. Ah, l'abattage a commencé, j'ai l'impression, parce que là j'ai de la laine. Ah ouais, et j'ai eu de l'abattage là. Viande d'agneau. Agneau, agneau. Et c'est du mouton. Ok, ouais, ça produit de la viande. C'est 15 par... 15 vendaisons par tête. Viande d'agneau par tête. 15 viandes par tête, là. Là, je sais pas comment ça me produit. Là, 54. Si ils ont commencé l'abattage, 54, ça serait un animal. Ah oui, c'est beaucoup plus. Ah oui, là, il n'y a rien à voir. Là, on voit que c'est vraiment du 15 par tête, 54, on va voir. Pourquoi ils vont stocker les outils là-bas? Ah, sinon, donc laine. Agneau. Viande de porc. Voilà. On est quoi? Fin été. Ok. Un peu bugué ça encore. C'est d'ouvrier. Là, ça fait les récoltes déjà en fin été pour les herbes médicinales. C'est bien. C'est bien, ça veut dire qu'on n'est pas dans le même.
Ah si, d'accord, c'est fin été que ça commence les récoltes. Je crois que c'était un de mes perrons qui était allé se planquer là-bas. Bon, ok. La récolte a commencé, ça c'est cool. Non, mais là c'est pareil, genre, enfin. Pourquoi il y a de la laine ici? Tu m'expliques, genre. Hein. Au lieu d'aller déposer les trucs à Pétaouchnok, là. Déposez-les à côté. Aire de stockage. Juste voir, non, non, toujours, toujours rien. C'est bizarre. Est-ce que je fais un élevage au vin? Il me dira de la bouffe, j'en ai. Oh, mais il le bouffe le chou, hein. Tout ce qu'il récolte, il le bouffe en fait, hein. Oh. En fait, je vois le chou là qui monte et qui descend, et qui monte et qui descend, et qui monte et qui descend, et qui monte et qui descend encore. Encore et encore et encore. Terrible. Ouais, je voudrais juste savoir. Vraiment quoi? 27? Ça veut dire en abattre deux alors. Quand tu vois 254. Ok, donc un cochon, c'est 27. C'est pas divisible par deux, donc c'est 27. 27 et 15 pour 15. Ah ouais, la porcherie ça rapporte beaucoup plus. De la laine non plus, j'en ai rien à foutre. Ok, donc annuler. Non, passer. Porcherie. Passer. J'ai pas eu de chance. C'est pas grave. Hop, allez, on va refaire une nouvelle porcherie. Pourquoi il est pas content lui encore? Niveau de pierre, on s'en tire bien, on s'en tire bien, on s'en tire bien. Ah, ça me fait plaisir de voir ça, 249, 250 choux là. Voilà, c'est ça qu'il faut les gars, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. On va terminer l'année sur une meilleure note que l'année précédente. Non, on va commencer l'année sur une meilleure note que l'année précédente. Oui, non. Parce que là l'année va être terrible. Hein. Un récap de la population, ça va être très drôle. Ou pas. Oui, priorité, les mecs. Il va falloir un peu d'immigration. Vous en demandez là, moins 180. Allez hop. Allez, le cuir, 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 moustache, cuir, 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 moustache. Ça, il me faudrait plus de production de minerai de fer. Manœuvre améliorée, ouais, pour le charbon. Ça va, pour le charbon, on n'a pas encore à... On n'a pas encore de surconsommation ou quoi. Pour le bois, on est bien. J'ai mis à combien en bois? 240? Ouais, c'est bon. 50% de productivité, défrichage. Oh, oui, bah. Autant profiter. Voilà. Là, les porcheries, en fait, elles sont pas encore. Enfin, t'as celle-là qui me produit. Oh, elle me produit même bien. Celle-là qui est censée produire. Mais bon, le mec là, il est pas motivé à faire l'abattage aujourd'hui. Ah si, il arrive. Bah, il a disparu. Ah oui, il a tué son cochon. Il devient invisible quand il tue son cochon. Okay. Ça qui me rapporte. De la bouffe, bien évidemment. C'est intéressant, gratuit.
Porcherie, voilà. C'est une deuxième porcherie. Enfin, une deuxième. Une Xème porcherie, plutôt, je devrais dire. Ah ouais, tiens, on va améliorer les isolations aussi. On a fait une bonne récolte de choux. Hein. On a fait une bonne récolte. Je suis content. Ma question, c'est est-ce que j'augmente ça ou est-ce que j'achète ça? Parce que ça va me débloquer la route vers le sud. Hein, et ça, c'est. Et ça, j'en ai besoin. Je vais revendiquer la province. À côté du cacao, mais le cacao, je peux rien en faire. Et ça, c'est chiant. Elle va me rapporter, elle va me rapporter. Non, le cacao, je peux rien en faire actuellement. Ce que je vais faire, c'est... Je vais demander à récolter les pierres, au moins. Là, lui, en plus, il va planter un max d'arbres. C'est pas forcément ce que je cherche. Là, ça va m'ouvrir l'accès vers des zones fertiles. Là, je sais pas si c'est fertile ou plus que ça. Fertile ou pas. Au vu de la couleur, c'est rien, je suis daltonien. Là, ça a pas l'air fertile du tout. Ça, je peux le dire. Là, c'est pas fertile. Mais toute cette zone-là, elle est ultra fertile, là. J'irai déplacer mon campement de bûcheron, j'irai le foutre là. J'achèterai cette province après. On a priorisé la plantation, oui, c'est très bien. Là, c'est très bien aussi. Une porcherie, encore une porcherie qui va se faire, ça. Très très bien. Et là, on produit, j'ai l'impression, un peu plus de nourriture qu'on en consomme. Ça, c'est cool. Enfin, on est arrivé à l'autosuffisance alimentaire. C'est pas trop tôt. C'est vraiment pas trop tôt. On récolte un peu, là, toute cette pierre-là qui traîne. Ah, c'est ça. Regardez, production par saison 45, épuisement par saison 15. Ça, c'est magnifique. Ah, ouais, on a payé les salaires là. Mais plus rien. Plus rien du tout. Sniff. Sniff. Ils me disent dans le jargon. Peut-être pouvoir commencer à se mettre à la poterie. Là, ça me fait chier d'utiliser les coins d'eau douce, mais j'aurais pas le choix. Attends, là si je mets ça. Parce que là j'ai un petit peu d'eau douce là qui est dispo, j'aimerais bien l'utiliser à terme. Bon. Débloquons le potier. Argilière, potier, atelier de meubles, on s'en fout, brasserie de bière. On n'a pas assez de blé pour tout ça. Ah merde, j'ai pas assez de blé non plus dans l'autre sens du terme. Pour acheter mon argilière. On va rester comme ça un moment. Hein. Je serai à 160. Ah bah attendez. Moins 180. Voilà. On peut aller chercher plus loin. Alors, on va faire des argilières. Donc, une argilière. Et un potier en face. Ça demande de la pierre. Impeccable, ça tombe bien, j'en avais trop. La pêcherie, je la garde pour l'instant. Pour l'instant.
fin hiver. Donc chaque début d'année c'est le printemps. Oh, on est bien en bouffe. Oh ça fait plaisir. Oh là là. J'espère que ça vous fait plaisir aussi de voir ça. Ouais, j'espère que ça vous fait autant plaisir que moi je prends plaisir à voir. Ils ont tous à manger quoi. Allez. Oh, le bilan de l'année 5, elle est pas bonne. Hein. Il est pas bon du tout. Naissance 18, immigration 10, pourquoi pas, pourquoi pas. Mort ou parti. 23 par inanition. C'est... oui. Ah bah oui, non mais voilà quoi. C'est une chose qui arrive quoi. Allez, moi je vous laisse ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Et allez, on se retrouve très très bientôt pour le prochain. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine, c'était Thiob. Ciao.